C'est une nouvelle défaite dont il faudra se relever pour les hommes de Christophe Galtier. 31e minute de jeu hier soir à la Méno, les Strasbourgeois dégainent les premiers. Nuno da Costa, bien servi dans la surface, profite des maladresses de la défense lilloise. Le Racing prend le large dès l'entame de la deuxième mi-temps. À la réception du centre de da Costa, Saadi fait trembler les filets avant de manquer l'occasion de faire le break quelques minutes plus tard. Sur cet éclair de Bissouma, les Dogs finissent par réduire l'écart. Jusqu'à la fin du match, les Lillois tentent d'arracher le but de l'égalisation sans succès. Pour les Dogs, c'est une troisième défaite d'affilée. Le match était mieux dans son ensemble que ce que j'avais pu voir évidemment samedi dernier à Troyes, dans les intentions, dans le comportement, dans l'investissement. Mais ça n'a pas suffi pour éliminer cette équipe de Strasbourg. Ce dimanche, à domicile, le LOSC affrontera de nouveau Strasbourg. Une rencontre autrement plus importante dans la course au maintien en Ligue 1.